pas, je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film. Ce qui est certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma était important pour moi? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. C'est un travail vraiment sur l'intériorité, le souvenir. Qu'est-ce qui reste entre ces deux personnes qui se sont aimées, qui ont vécu ensemble, qui ont fait un enfant ensemble, qui sont séparées depuis 15 ans. Et donc, ça touche l'émotionnel, mais d'une manière extrêmement, je dirais quand même, pudique, parce que la femme, Lisa, répond aux questions, mais souvent fait une demi-réponse, et puis par un petit trait d'humour, ou une petite blague, ou je sais pas quoi, hop, elle évite de rentrer justement dans l'explication de ce qu'elle ressent, ou de ce qu'elle a ressenti à l'époque. Après, le spectateur peut le deviner. Peut-être qu'elle a été blessée, peut-être qu'elle a souffert, peut-être que si, peut-être que ça, mais ne le dit pas. Même chose pour l'homme. L'homme est-il encore attiré par cette femme? Alors, il vit avec une autre femme et il a l'air très heureux et serein avec cette femme très différente physiquement de sa première femme. Mais on sent que cette première femme, eh bien, quelque part, elle l'émeut encore, ou elle l'étonne encore. Comme probablement elle l'a étonné 15 ans ou 20 ans avant, quand ils se sont rencontrés. Elle lui fait encore des surprises, quelque part. Mais quoi, tu m'en fous, ton fils? Et de qui tient ça? Notre fils. Je crois que là, il est amoureux. Ah bon? Comment tu sais ça? C'est-à-dire, ils sont un peu timides. Parce que bon, c'est sûr qu'ils se sont encore vus ou parlés au téléphone. Quand on a un enfant ensemble, c'est évident que, sauf si ça s'est très 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 mal passé. Donc ils ont encore des rapports, mais partir ensemble pendant 24 heures, dans un endroit où ils sont à deux, donc cette voiture confinée, c'est pas comme s'ils étaient dans un avion, avec d'autres passagers, avec un aéroport, avec ci, avec ça. Ils sont ensemble pendant 8 heures aller, 8 heures retour, et puis sur place. Et au début, oui, c'est pas vraiment une timidité, mais ça y va un peu doucement. Et puis au fur et à mesure, il y a plus d'humour, et ils se reconnaissent. Ils reconnaissent leurs habitudes, ils reconnaissent leurs défauts, ce qui peut les faire sourire ou les faire rire. Ils se rendent compte aussi que ce qui les énervait à l'époque, au fait maintenant, ne les énerve plus. Mais parce qu'ils vont être que 24 heures ensemble. S'ils repartaient pour une vie ensemble, ils disaient, ah bon, ben c'est vrai, maintenant ça m'énerve encore. C'est un rapport, c'est une toute petite tranche de vie, 24 heures. Ta mère au volant, il n'y a pas beaucoup de progrès. C'est drôle, j'ai rarement vu deux personnes aussi différentes. Je sais pas, qui ont l'air de s'aimer encore comme ça. La trame de départ, l'idée de départ, c'est en effet assez autobiographique. Parce que j'ai en effet réellement un fils qui est moniteur de ski. Et que donc je connais bien cette station, je connais bien la montagne, je connais bien sa passion pour la neige et pour le blanc. Et puis j'avais envie de tenter un road movie. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Hein, j'ai fait beaucoup de films en mer ou sur des bateaux, des films à pied dans le désert. Mais me confronter à des autoroutes, des voitures et faire un road movie, ça c'était quand même très neuf pour moi et c'était pas facile. Parce que techniquement c'est compliqué, au niveau de la mise en scène c'est difficile si on veut que ce soit pas rien que des champs contre champs et puis une fois la caméra derrière et puis une fois la caméra devant, mais si on veut profiter du paysage, profiter du voyage, varier les plans,
pour qu'il ne soit pas lassant pour le spectateur, ça demande beaucoup de technologie, beaucoup d'invention dans la recherche des cadrages et tout ça. Et ça, c'était un challenge qui m'a fort intéressé de travailler sur quelque chose de plus technique que ce que j'ai l'habitude de faire. Souvent, t'étais pas là. Enfin, non. Non, c'est moi qui souvent n'étais pas là. Tu crois que je lui ai manqué ? Au début, sûrement, oui. Juste après ton départ, il a dit « Papa va construire une grande maison, on va déménager, on va vivre tous ensemble. » Ça lui semblait simple. Après, je sais pas. Oui, la nature qui reste très présente, même si c'est une nature qui est peut-être moins exotique que les déserts de Djibouti, qui sont exceptionnellement forts, ou que l'océan, ou la fin de Noir Océan, on était sur un atoll avec la mer turquoise. Ici, c'est un peu plus quotidien, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont été de Bruxelles jusque dans les Alpes une fois dans leur vie. Hein. Bon, pour aller au ski, normalement, on va dans les Alpes. Donc il y a plein de gens qui ont pris ces mêmes autoroutes, qui ont traversé la Champagne, qui ont passé sur le viaduc de Chamonix ou le viaduc de Nantua. Donc c'est des paysages que énormément de spectateurs peuvent reconnaître. J'espère qu'en faisant ces voyages, ils ont eu le temps de les regarder, parce qu'ils sont très beaux, et surtout à la période de printemps où je les ai filmés, les couleurs sont magnifiques. C'est des verts chlorophylles, c'est des jaunes colza, c'est la neige vierge dans le plan d'ouverture du film. J'aime filmer la nature, j'aime vraiment filmer la nature. C'est ça que vous vouliez voir ? Oui. C'est exactement ça. Moi, je regarde jamais les films en arrière. Je regarde pas ce que j'ai fait. Je me dis pas, voilà, je vais faire quelque chose de différent. Je crois que c'était une envie de faire quelque chose dans la non-violence. Parce que je crois que c'est un peu ce que j'ai envie de voir maintenant, moi, en tant que spectateur. Il y a des films très durs et très violents et très essentiels que j'aime voir, mais j'ai aussi envie de voir des choses pas mièvres, pas nunuches, mais où les gens sont heureux. Moi, je crois que ça me fait du bien de temps en temps de voir un film positif, optimiste, avec un regard sur la jeunesse qui est un regard bienveillant, où les jeunes sont bien, enfin bien heureux, ils cherchent leur place, mais ils ont trouvé leur place, ils sont pas en conflit avec les parents. Oui, je crois que ça existe et que j'avais envie de parler de ça. Comme je vous dis, j'ai envie de voir des films comme ça, pour le moment. Ça ne me dérange pas que je l'appelle moi-même, je crois, un feel good movie. Oui, si les gens sortent de ce film en se sentant bien, heureux, en se rappelant peut-être de leurs souvenirs à eux, ben, j'ai pas voulu faire beaucoup plus que ça. Donner un peu de bonheur, donner un peu de joie, faire sourire. Rire peut-être pas, parce que c'est pas vraiment une comédie, mais faire sourire, je pense qu'il y a des moments où les gens sourient dans le film. Enfin, j'espère. Ce qui reste, c'est le souvenir, c'est les bons souvenirs, en tout cas
dans le cas de ce couple-là, c'est plutôt les bons souvenirs et pas les mauvais souvenirs. C'est l'enfant commun, bien sûr, ça reste. Et je pense que la fin du film, enfin le générique, est très bien résumé par la chanson interprétée par Bourvil, qui s'appelle La Tendresse, qui dit, ben voilà, en gros, on peut vivre plein de choses, on peut vivre des douleurs, on peut vivre pas d'argent, on peut vivre ci, on peut vivre ça, mais vivre sans tendresse, c'est pas possible. Et je pense que c'est un beau résumé du film, cette chanson. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas.